Dans la région du Sud Comoé, grande zone de production agricole et notamment du couple EVA palmier à huile, les choses ne sont pas toujours aisées pour les producteurs. Les pistes sont difficilement praticables si parfois elles ne sont pas tout simplement fermées et perdues dans la broussaille. Pour y remédier et permettre aux agriculteurs d'assurer les récoltes, la Banque mondiale lance en Côte d'Ivoire le projet d'appui au secteur agricole PESAC. C'est un projet qui vise 5 filières, le cacao, l'EVA, le palmier, le coton et l'anacarte. Et c'est un projet qui est aussi un volet important sur les pistes. Dans l'EVA et le palmier, ce sont deux filières qui avaient déjà l'habitude de repréférer les pistes. La Banque mondiale et la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, vont financer pour un montant d'environ 1,4 milliard. Dans cette zone de Sud Comoé, ils vont sentir le PESAC qui est en train de désenclaver leur région pour l'écoulement de leurs produits. Dans le Sud Comoé, le PESAC se prépare à agir sur les pistes des zones de Bonoa, Adiaké, Aboisso et Maféré. Les entreprises sont déjà recrutées et vont réaliser un total de 153 km de pistes de desserte des plantations.